L'association va aller déposer les jouets et tout ce qu'on a trié. Non, on va pas mettre Inaya des jouets. C'est pas pour Inaya, c'est pour les enfants. Non. Coucou les filles, c'est parti. Le taxi, il est là. On va à l'association Mohammadia pour déposer des affaires. Ok, c'est mieux comme ça. Première chose, Becca. Tu te souviens, Ben? Tu m'avais acheté à New York le Opal. C'est le highlighter que je porte ici et que j'ai aussi utilisé comme un fard à paupières. Super pigmenté, de toute façon les produits Becca sont top. Blush, c'est aussi celui que je porte ici, hyper pigmenté, et le problème c'est que je peux pas ouvrir. C'est le Tiger Lily. Non, c'est pas Jungle, Tiger. La couleur elle est trop belle. Oui. Dernière chose, c'est le pinceau. Donc c'est un kit de 3. C'est un pinceau qui est... C'est un pinceau multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint, vous pouvez l'utiliser pour le blush, vous pouvez l'utiliser pour le contouring, bref, beaucoup de choses. Perso, je pense pas que je l'utiliserai pour le fond de teint liquide. En tout cas, c'est des poils de chèvre. Très très doux. Ensuite, j'ai reçu ce magnifique blush de chez Clinique. C'est le numéro 4 Plum Pop. J'ai déjà le... Il me semble que j'en ai un ou deux de chez eux, des couleurs pêche. Et vous voyez, c'est super joli. Petite pétale de fleurs. Toujours de chez Clinique, j'ai ce produit-là. C'est un gloss, le Shubi Plum Pen Shine, brillant à lèvres, fluide, repulpant. Vous tournez, ça sort. Les filles, elles en ont mis. Montrez les filles. Monte ta bouche. Souris. Attends, ouais, bouge pas. Ensuite, toujours de chez Clinique, le mascara Shubi Lash. C'est celui que je porte là dans la vidéo. Il est vraiment top. Il donne du volume, il est bien noir, j'aime beaucoup. C'est le deuxième ou le troisième tube, je crois, que j'ai de chez eux. Et alors, la dernière chose, c'est ce rouge à lèvres là. C'est celui de chez Smashbox. J'ai utilisé 2 ou 3 couches, je pense, parce que c'était pas uniforme. C'est le numéro... Je sais pas c'est quoi comme numéro. C'est le Bajabund. Rouge à lèvres liquide Bajabund. Bon, la couleur, ça fait très... c'est très flashy et ça fait très été. Mais étant donné que j'ai pas maquillé les yeux, etc., je trouve que ça passe. Voilà, on est bientôt arrivé, je pense. On est bientôt arrivé? Oui. On y est presque. Une bonne chose de faite. Donc, on ne sait jamais si vous habitez à Singapour. Ça s'appelle Mohammadia. Je peux vous mettre le lien en barre d'information. Ok. Là, on s'en va. On a une mission. Donc là on s'en va, on va chez des amis, on va aller manger là-bas et on verra un peu ce qu'on fera, mais je pense qu'on va rien faire parce que je suis KO technique. Tu veux faire quelque chose, Amel? Manger. Moi aussi j'ai envie de manger, j'ai trop faim en plus. On est arrivé. Et les filles sont en train d'observer un cafard qui est mort, oh my god. Il est par terre, écrasé. Le repas de ce soir. Curry. It smells nice. Donc on a mangé, on est de retour à l'association Mohammadia. Donc ma copine elle va déposer aussi des affaires et ensuite on va prendre un café et on va faire un peu de shopping. Enfin moi normalement je ne pense rien acheter, mais comme elle s'en va à Londres donc lundi, il lui reste des petits trucs à prendre et du coup on a laissé son mari qui cuisine pour nous ce soir, donc il va nous faire un curry et donc on a laissé les enfants, on va partir se prendre un petit café. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, donc on va profiter. Inside, I want the air cool. On va aller boire le café les filles. Ah, c'est pas possible sans air conditionné. Ok. Donc là, elle va prendre quelques
quelques produits pour son mari. Des protéines. Et hey, la whey. Chez Mouji, je me suis repris un rangement en acrylique, mais j'en avais vraiment besoin, donc voilà. C'est vrai que c'est pas forcément donné, mais en même temps, c'est un bon investissement. Surtout pour une psychopathe du rangement comme moi. Merci. This is a curry, very bad curry, from her friend. No. No, it's really nice. C'est beau. C'est quoi? Soleil. Le soleil? Et la lune. Et la lune. Waouh. Et le ciel est là. Le ciel est là et la lune elle est là. C'est trop beau. Je le compte la lune. Les filles, donc on est le dimanche. On est dimanche et on se retrouve. Mmh. Oh, ouais, juste de l'eau s'il te plaît. C'est pas... Et il est déjà tard là, on va manger. Je vais vous montrer un peu tout ça de tout près. Et alors, rien de spécial. On doit repasser au magasin pour déposer mon téléphone. Si vous vous souvenez, j'avais cassé mon téléphone. Donc ils m'ont réparé l'écran et moins d'un mois après, il s'est recassé. Il y avait une garantie et ils n'ont pas voulu prendre en compte la garantie. Donc on a laissé tout simplement notre expérience sur internet et ils nous ont recontacté en nous disant écoutez, repassez, on va voir ce qu'on peut faire. Donc ce serait bien, mais entre temps, moi j'ai acheté un nouveau téléphone. Mais bon, voilà. Donc on va manger et ensuite on va aller déposer le téléphone. Et peut-être qu'on va se rendre du côté de Little India. Il y a des petites activités pour les enfants. Normalement, c'est ça le programme, mais on verra. Donc voilà, je vous montre un peu ce qu'on va manger. Bon, on a pris du riz. Ok. Tu peux enlever ta main, s'il te plaît. Des petites brochettes de saté. Et du poulet. Regardez-moi ça. Purée. Un cafard. My God. J'ai envie de vomir là. Oh mon dieu, je crois que je vais vomir tout ce que j'ai mangé. Franchement, c'était très bon. Mais là, j'ai envie de vomir. Oh mon dieu. C'est pas les plus gros cafards qu'on a vus. Hein. Celui-ci, il était petit. Franchement, je pourrais le tuer. Je pourrais l'écraser. Oh, mais j'ai envie de vomir. Coucou! Bon, les filles se sont un peu amusées. Moi je suis allée chez Taipo. J'ai acheté chez Taipo. Comment on appelle ça? Un porte-document? Bref, c'est pour ranger mes cours d'anglais que je termine dans une semaine. Mais voilà, c'est pour ranger tous les documents qu'ils nous ont donnés. Ensuite, j'ai pris ça. En gros, c'était deux articles achetés, un gratuit. Donc j'ai pris ce porte-revue qu'il me fallait absolument pour ranger tout simplement mais tous les papiers qu'ils nous donnent à chaque fois. J'ai pris ça. Donc c'est génial, c'est un planeur mais par semaine. Donc du coup, ça me permettra de visualiser ce que j'ai à faire dans la semaine. Voilà. Et comme il y avait un article gratuit, je ne savais pas quoi choisir, j'ai pris un cahier. Comme ça au moins, voilà, je suis sûre que je vais m'en servir. Vachement scolaire. Hein. Mais voilà. Et là, on va prendre un petit café et on va rentrer. Voilà, on a fait les courses, les fruits, les légumes et direction la maison. Les filles, vous êtes prêtes? La maison? Belle. Voilà, on est rentrés. On a deux voitures. La tienne, la porte? Oh, je savais pas. La Porsche, c'était la mienne. Oh, c'est le deuxième cadeau de mariage. Avec tes coups de semana. Là, maintenant, tu parles arabe. Non. Waouh. Ok, on rentre à la maison. On est passé chez Nandos. Ouais.
راح ناكل كومون دي بولي دجاج دجاج OK, bon les filles, sur ce, j'espère que ces petits moments avec nous vous auront plu et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, Inch'Allah, normalement, on ne sera pas à Singapour. Restez connectés sur Snapchat, sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!